Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'arrête sur Assetto Corsa et un mode dont le championnat fête ses 5 ans. Retour en 2011, nous sommes en V8 Supercar australien. Vous l'avez certainement reconnu, peut-être au son et en tout cas à l'image avec ses livrées mythiques. Le mode est disponible pour Assetto Corsa depuis quelques temps et on s'est dit que pourquoi pas on allait vous le présenter. Hein, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu de mode à la mode et celui-là est particulièrement sympa. Au programme, 3 courses sur Monza, Bahreïn et Phillip Island. Vous allez voir que ça va un petit peu bastonner. En tout cas, le but ici est de vous présenter les deux modèles et le comportement de cette catégorie qui est vouée à disparaître puisque dans quelques mois, je crois déjà l'année prochaine, le règlement va totalement changer et les V8 supercars tels qu'on les connaît n'existeront plus tout simplement en Australie. Une lutte qui a duré pendant plus de 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, entre les Holden Commodore et les Ford Falcon. Alors si Holden, ça ne vous dit rien, eh bien on va peut-être dire Vauxhall ou Opel, en tout cas GM, c'est le groupe General Motors qui gère ça en Australie. Ce mode donc est disponible dans la description si vous souhaitez vous-même tester ces voitures. On va d'abord parler ensemble du mode et ensuite on testera les deux voitures sur Bahreïn et Phillip Island. Alors que l'on sort de la chicane Ascari, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est au niveau des performances des deux voitures. Pas de souci de distinction puisque vous n'allez pas avoir de modèle favorisé, elles sont toutes les deux aux mêmes spécificités. C'est-à-dire un poids de 1335 kg, plus de 600 chevaux estimés, un couple à 750 Nm et une vitesse maximum qui est au-delà des 300 km/h. Même si ici à Monza on n'y arrive pas encore, c'est une voiture qui en est tout à fait capable. Ensuite, ce sont des moteurs V8, vous l'aurez deviné, vu le nom du championnat, et ce sont des moteurs de 5 litres. La réalisation des voitures est tout à fait correcte, après ça n'est pas le mieux qu'on ait pu voir sur Assetto Corsa. Il y a encore des parties de voitures qui sont assez brouillonnes, notamment au niveau de l'intérieur, mais en tout cas c'est complet, c'est officiel, c'est legit, ça correspond à ce qu'il y a dans la réalité. En termes de livrée, vous allez retrouver 11 skins pour les Ford Falcon et 15 skins pour les Holden Commodore. Donc beaucoup de circuits sont bloqués à 24 garages, ce qui vous empêchera de pouvoir vous exprimer avec chacune des voitures, puisque le championnat ne pourra être complet que sur des pistes où vous pouvez ajouter plusieurs garages. Bref, ça c'est vraiment pour les puristes qui veulent refaire un championnat avec l'ensemble de la grille de départ. Au niveau du comportement, les voitures sont tout à fait correctes, mais vous allez voir ça avec les tests en live que j'ai tourné tout à l'heure qui seront montés juste après. Vous allez voir ça. Personnellement, aucun favoritisme pour l'une ou l'autre, si ce n'est l'intérieur de la Holden qui, je trouve, est un petit peu plus fini que celui de la Ford Falcon. En tout cas, avant de poursuivre et de passer en on-board avec vous dans la première des deux voitures, je vous laisse profiter un petit peu du son de ces bolides en vue extérieure ici à Monza. C'est parti avec la Ford Falcon. On est du côté de Bahreïn. On va se jeter dans la première épingle. Attention, si on a à gauche, si on a à droite, on bloque les rouilles, on va percuter la voiture devant nous. Attention, parce que là, il y en a un petit peu dans tous les côtés. On essaie de se frayer un chemin. Le contact encore avec une autre voiture. Allez, la relance dans la montée. Pour l'instant, ce sont les Holden qui sont devant. Je vois pas de Ford autour de moi. On va essayer de voir comment la voiture se comporte au niveau des freinages. Elle s'ouvre un petit peu en entrée de virage. On va voir ici dans les enchaînements de ce deuxième secteur si ça se passe bien. On va voir si on peut rattraper les voitures devant. Oui, on est assez rapide. Pourtant, l'IA est à 100%. Allez, dans la descente, on va voir si on peut faire les freins à la Holden devant. Non, on va rester sobre. Il y en a à gauche. On va essayer de voir si on peut croiser aussi. Ah, il est allé au large. Et à la relance, est-ce que ça peut passer? On regarde à gauche.
Il est toujours là. Au frein ici, très délicat. Faut retomber en deux. J'ose pas repasser en première ici à la relance. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il est... Oui, il est toujours là. Alors, on va essayer de le tasser un petit peu. Et on était... Oula, j'aurais dû changer mon rapport de boîte. Encore à l'extérieur ici. En tout cas, un comportement très agréable. Oh, le sous-virage! Alors, on sent qu'il y a beaucoup de couples. Vous n'êtes pas obligé de redescendre trop en vitesse pour garder de la vitesse. Et ça, c'est assez agréable. Enfin, de redescendre de rapport de boîte. Allez, on conclut le premier tour. Et ça s'ouvre encore, on bloque. On va se faire reprendre, je pense, à la réaccélération. Quoique, non. Ça va, on peut protéger. En tout cas, c'est fun. Mais ça glisse énormément du train arrière sur une piste comme Bahreïn, qui est très chaude et très adhérente. Donc, faut pas demander ce que ça va être après à Phillip Island. Allez, on bloque encore ici, mais ça va mieux. On doit presque croiser les mains pour repartir. Ça relance bien. Donc vraiment une voiture très agréable à piloter. Vraiment, c'est fun. On se fait remonter sur la droite par une voiture et qui sont bien meilleurs que nous sur les freins, les IA. C'est là où ils font la différence. C'est là où nous, on est un peu plus en délicatesse. Je rappelle qu'on roule sans assistance. Il y en avait la voiture devant, cracher des flammes, c'est vraiment... Excellent, est-ce qu'on peut... Petit blocage de roue, je l'ai senti ici. Est-ce qu'on peut peut-être reporter une attaque pour récupérer une place? Alors il freine beaucoup, c'est ça qui est dérangeant. Donc le comportement de la Ford est vraiment sympa. Et en fait, avec les mêmes spécificités techniques, j'aimerais bien voir si la Holden se comporte différemment de la Ford. Même si elles sont identiques en tout point, en termes de poids, de puissance, etc. J'aimerais bien voir si la Ford, qui s'ouvre beaucoup, a un même comportement... Que la Holden. Et si avec votre expérience du sim racing, vous avez déjà piloté sur ce genre de voiture avec notamment Air Factor 1 et Game Stock Car Extreme, vous n'allez rien retrouver d'exceptionnel, hein. C'est vraiment du grand classique au niveau du comportement. Seuls les freinages sont un petit peu plus délicats, mais les voitures sont tellement coupleuses et agréables que, en tout cas, la Ford, elle, est très fun. Allez, dernier freinage. Oh, on repasse en deux, histoire de combler le sous-virage, mais ça se passe pas trop bien. En tout cas, des voitures faciles à piloter, mais oui, ça ne laisse pas trop de place à l'erreur, surtout au niveau des freinages. On est go du côté de Phillip Island avec un départ assez bordélique, on est en plein milieu. On est avec la Holden maintenant. Allez, on va se lancer sur une piste qui ici est très peu abrasive. On rentre dans le premier droit, les freins c'est compliqué, ça part pour tout le monde au large. Il faut éviter de toucher dans la voiture qui était devant nous. Ça va se resserrer pour le gauche ici. Ouais, on bloque les roues, ça glisse beaucoup. Il y a des voitures qui sortent un petit peu partout, effectivement. C'est un circuit modé que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Oh là, derrière nous, c'est allé aussi taper. On a pris un bon départ. Alors, dans les premiers enchaînements ici, ça se passe bien. On a une adhérence en courbe qui est correcte, mais ça reste très délicat. En deuxième ici pour l'épingle. La relance. Alors, on a un comportement un petit peu différent. Et c'est peut-être le circuit qui propose ça, hein. C'est pas forcément la voiture. On a la sensation que la voiture m'échappe déjà, ça c'est certain. On a la sensation en fait que la voiture glisse un petit peu plus du train arrière, qu'elle est moins stable. Alors ça peut être vraiment du détail, alors que là j'ai beaucoup trop freiné pour cette courbe là. Ici je ne sais plus non plus, normalement ça passe quasiment pied à fond, mais comme on est à la limite sur la corde, faut la tenir. Allez, le gros freinage ici, qui nous offre souvent de beaux dépassements à moto, gros sous-virage encore. Mais bon, une fois qu'elle est dans l'axe, elle est un peu plus joueuse que la Ford, qui est un peu plus, plus tendre et plus souple. Ici, on sent que c'est un petit peu plus agressif dans le comportement. Mais c'est sûrement dû aussi à la piste de Phillip Island, qui est beaucoup plus fraîche et beaucoup plus en manque de gomme déposée que sa sœur de tout à l'heure, Bahreïn, qui elle était vraiment un four. On a déjà conclu le premier tour ici.
peut-être pouvoir passer à l'extérieur sur les freins. Ouais, on est moins bon sur les freins, quoi qu'il arrive. Et là, la Ford ici, vous voyez qu'il est un petit peu plus à son avantage. On peut croiser. Allez, à la relance, ça passe. Donc on peut un peu plus s'amuser, je trouve, avec la Holden que la Ford, qui est beaucoup plus massive. Mais si vous voulez trouver des différences, je pense que c'est surtout le circuit et pas vraiment la voiture. Parce que je pense que si on teste la Holden sur une autre piste... Je vais après tester la voiture sur Monza. Alors vous le verrez certainement avant. Mais je vais retester cette piste, cette voiture sur Monza, histoire de voir ce que ça donne. Oh, c'est sorti au large devant pour Davidson. Allez, salut. Ah, pas sûr que ce soit Davidson, pardon, il doit être devant. J'ai pas bien vu, c'était la Ford qu'on avait juste avant à Bahreïn. Et il nous colle. En tout cas, les Ford sont bien à l'aise ici. En tout cas, on va se laisser là pour ce mode à la mode. Reviens. Oh non, je suis allé trop large. On va se laisser là pour cet épisode du mode à la mode. Alors que là c'est très serré. J'espère que ça vous aura plu, vous pourrez retrouver les voitures disponibles, donc la saison 2011, dans la description. Et surtout la piste de Phillip Island qui vous sera aussi proposée pour Assetto Corsa. Donc un mode sympa si vous êtes fan de ce genre de discipline de super tourisme, des voitures simples à prendre en main mais assez joueuses selon les pistes que vous choisissez. Merci les amis d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. Ciao.